Alors pour la sécurité, Jean-Cyan sur la chaux, c'est bon. On se trouve à 2750 mètres, on est au sommet des Atlas, dans le local des pisteurs, où on contrôle un petit peu tout ce qui se passe sur le domaine. Alors la journée typique, comme ces jours, c'est d'abord le minage, hein. On vient très tôt le matin, on fait un petit bilan de la neige qu'il y a eu, du vent, et après on part sur le terrain pour faire le minage. À 8h15, tu peux monter à Tado sans problème maintenant. On a d'abord des gazex, c'est un système avec mélange de gaz et de propane, qui va dans un gros tube. On peut le faire déclencher depuis n'importe où et surtout à n'importe quelle heure. C'est important pour sécuriser aussi les gens qui travaillent la nuit. Il y a aussi le minage manuel. On va sur le secteur et dans les endroits dangereux avec des charges dans le sac à dos. Généralement, c'est des pains de 1,5 kg qu'on largue dans les pentes qui sont délicates. La munition, elle est stockée dans un local sécurisé aux ruinettes, où on peut mettre jusqu'à 2 tonnes de munitions. Hein. Et toutes les charges, on les prépare au dernier moment. Et après, on les allume seulement depuis l'hélico ou depuis à pied quand on les largue. On a eu un joli résultat là. Maintenant, on va vite retourner au poste parce qu'il faut encore contrôler les pistes avant les premiers clients. Check un petit peu ce qui s'est miné ce matin, en fait, voir un petit peu où c'est parti. Et puis, je vois que tout va bien, quoi. À part que c'est un peu jour blanc, ça a l'air pas mal. Juste qu'on fasse gaffe, c'est danger 4 aujourd'hui. On peut encore avoir des surprises dans la journée. Quand c'est vraiment délicat où on n'ose pas aller, on va prendre l'hélicoptère. C'est des charges un petit peu plus grosses, hein. C'est 2,5 kg qu'on va larguer dans les pentes. Il faut savoir que sur Verbier, on a passer 200 points de tir, et c'est une grosse préparation les jours de neige. Ces 200 points de minage, ils sont uniquement pour sécuriser les pistes de ski. Jamais on ira sécuriser le domaine hors-piste. Hein. Et le hors-piste ici, il est énorme. C'est uniquement les pentes qui donnent sur les pistes de ski. Et ça, il faut bien prendre conscience que toutes les autres pentes ne sont pas sécurisées. On a des itinéraires à ski hein, qui sont sur le domaine. Alors ceux-là, ils sont sécurisés contre les dangers de la montagne. Hein. Ça veut dire que tout ce qui est contre danger d'avalanche, uniquement sur les endroits où ils sont balisés. Tout ce qui est en dehors de l'itinéraire, on ne sécurise pas du tout. C'est pour ça que c'est des endroits qui sont relativement dangereux et ils sont verts plus tard que les pistes de ski. Ça peut prendre jusqu'à une semaine pour faire le minage complet du domaine. Il reste le damage à faire et la sécurisation des pistes, ça veut dire tout ce qui est balisage et filet. On doit être prêt à intervenir sur que ça soit des accidents, blessures, poignets ou n'importe quoi sur le domaine. On a une avalanche en dehors du domaine, on ne va pas aller systématiquement tête baissée, on doit s'assurer que la sécurité du pisteur est assurée et qu'il n'y a pas de danger sur avalanche. Donc ça peut prendre un peu de temps pour aller chercher les gens qui sont en dehors du domaine. Il faut bien que les gens se rendent compte que s'ils s'aventurent en dehors du domaine sécurisé, on ne pourra peut-être pas forcément aller les chercher tout de suite. Si vous voulez faire du hors-piste et que vous n'êtes pas très sûr, on a des points où il y a tout le temps des pisteurs et poser des questions avant de partir tête baissée n'importe où. Ils sont aptes à vous donner tous les renseignements possibles. Et il faut savoir que je serais incapable de faire ce job sans avoir une équipe performante derrière. Avec chaque fois un responsable par secteur, on a 3 secteurs. Et on a environ 30 patrouilleurs qui travaillent sur le domaine. Le côté le plus difficile de mon métier, je dirais, c'est de prendre la bonne décision le jour où il y a des chutes de neige et des dangers d'avalanche qui sont assez conséquents, entre 3 et 4. C'est pas toujours évident parce qu'on sait que d'une fois que vous ouvrez une piste de ski, vous n'avez plus droit à l'erreur parce que les gens ils vont aller partout, ils vont même aller skier dans des couloirs qui sont en-dessus du domaine, que nous on a peut-être sécurisé mais qui peuvent changer avec la température ou le vent. Donc c'est vraiment des décisions qui ne sont pas faciles. Ah, le plus beau côté de mon métier, c'est d'être le matin
au sommet de ces montagnes avec sol et puis qu'il n'y ait pas trop de bruit. C'est fabuleux.